Bonjour frères et sœurs, bonjour, bonsoir, voilà. Et donc voilà, on va partager sur un thème qui est vraiment très important, qui se passe de nos jours, depuis des siècles et des siècles. Voilà, ce sont des choses qui se produisent, qui se reproduisent, qui se passent. Et tout d'abord, c'est de partager au maximum ce lien de partage. Afin que les personnes qui doivent suivre, qui ont prévu de suivre ce lien, enfin ce message, puissent se connecter. On va laisser passer quelques minutes avant de vraiment commencer. Et vraiment le Seigneur en ce moment nous secoue un peu. Hein. Voilà, permet qu'on puisse partager des choses qui sont vraiment importantes pour les frères et sœurs, importantes pour nos vies. Hein, voilà. C'est important de savoir aussi tout ce qu'on peut vivre et le but de ce message, de cette prédication, c'est aussi pour aussi dire que voilà, EVDN ne collabore avec aucun groupe d'évangélisation sur Paris. Voilà, on ne collabore avec aucun groupe d'évangélisation sur Paris. Voilà, donc on le dit bien haut et fort. Voilà, après avec nos frères et sœurs des Antilles avec qui on peut partager, voilà, qu'on va en mission, tout ça, donc voilà, qui nous encourage et qu'on encourage aussi. Donc, mais sur Paris, on ne collabore avec aucun groupe d'évangélisation, aucun groupe. Voilà, donc c'est important de le dire aussi parce que il se passe beaucoup de choses dans les coulisses et on le dit au fort que. Voilà, EVDN, cette vision que le Seigneur nous a donnée. On n'a aucune alliance avec aucun groupe d'évangélisation sur Paris. Donc, qu'on nous attribue aucune dérive, on ne collabore avec aucun groupe afin que que rien ne nous soit attribué, quoi. Et si on vous dit que je les connais, oui, je connais cette équipe, tout ça. On ne bosse pas avec ces gens-là. Non. On bosse avec aucun groupe d'évangélisation sur Paris. Aucun groupe. Voilà, même si on vous dit, oui, je connais un tel, tout ça. On ne collabore avec aucun groupe d'évangélisation. Je le dis haut et fort au nom puissant de Yeshua. Voilà. Que chacun puisse faire ce que le Seigneur lui dit. Sur Paris, on ne collabore avec aucun groupe. Aucun groupe. Voilà, même si on vous dit, même si les gens peuvent chanter des chants que nous avons sur nos chaînes, notre chaîne, des chants, tout ça, et qu'on vous dit que on collabore, tout ça, on ne collabore avec aucun groupe. Même si on peut chanter les chants que nous, on a pu recevoir, que le Seigneur nous a donné, voilà, et que d'autres peuvent le chanter, tout ça, et vous faire croire qu'on collabore ensemble, tout ça, etc. On n'est pas avec. Non. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça aussi. Donc voilà. On va partager un peu sur quelque chose qui s'est passé au ciel. Et qui est une vérité. Hein. La parenthèse que je ouvrirai avant de prendre ce passage, c'est que le Seigneur revient et le Seigneur nous a sauvés pour être avec lui. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse faire du business avec sa parole. Il ne nous a pas créés pour qu'on puisse vivre dans le désordre, pour qu'on puisse... vivre pour œuvrer, vivre pour devenir quelqu'un. Parce que tous ceux qui s'élèvent en vérité seront abaissés. Voilà, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et c'est une vérité qui est terrible. C'est pour cela en fait que nous devons laisser le Seigneur nous mandater, nous envoyer et ne pas chercher à s'élever, à s'ériger, à lever sa tête au-dessus des autres. Ça c'est un mal qui détruit
Donc voilà, le Seigneur appelle, mais le Seigneur, il y a des gens que le Seigneur n'a pas appelés à telle ou telle œuvre, je ne sais pas. Donc voilà, il faut laisser vraiment le Seigneur nous mandater, nous envoyer à travailler dans son champ et ne pas se faire les choses de soi-même. Donc voilà. Donc on reprend Ézéchiel 28 au verset 1er. Et le titre, on va parler du commerce dans l'œuvre. On va parler des magouilles, de la manipulation, parler de tout ça. Et ça n'a pas commencé sur terre, ça a commencé au ciel. Ce genre de comportement, c'est terrible ça. Hein. C'est vraiment, c'est compliqué ça. C'est vraiment compliqué. Donc on va parler par rapport à ça. Alors Ézéchiel 28 verset 1. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, fils d'humain, dis au prince de Tyr, ainsi parle Adonai Yahweh. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis elle. Voyez. Et là, le Seigneur dit ça, il dit, voilà, parce que ton cœur s'est élevé, en gros le diable, hein, le diable s'est élevé, il a dit, Lucifer, avant qu'il devienne diable, c'était Lucifer. Qu'il était, il a voulu s'appeler Dieu, voilà. Il a voulu s'appeler Dieu, je suis Elohim. Il a voulu prendre la place d'Elohim. Et dans d'autres religions, les gens disent que totalement autre chose par rapport à ça. Mais en vérité, voilà la vérité par rapport à ce qui s'est passé au ciel. C'est qu'il a voulu prendre la place du Créateur. Il a voulu se positionner au-dessus du Seigneur. Et on voit dans le monde l'attitude des humains. Les humains, ils aiment ça en fait. Les humains, ils aiment ça. Ils aiment s'élever, ils aiment avoir une position élevée. Et c'est ainsi que beaucoup tuent des gens. Beaucoup de gens s'entretuent par rapport aux positions qu'ils veulent avoir, par rapport à la notoriété qu'ils veulent avoir, par rapport à l'argent qu'ils veulent avoir. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres dans le monde. Toutes les guerres qu'il y a dans le monde, il faut bien regarder une chose, c'est par rapport au pouvoir. Il y a la guerre par rapport au pouvoir, la guerre par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui est élevé dans le monde que beaucoup veulent posséder en vérité. Et si tout le monde rechercherait simplement à vivre normalement, je ne pense pas que la Terre serait dans cet état. Mais le problème, c'est que ça a commencé au ciel. Donc forcément, ce qui était au ciel et qui a été éjecté du ciel, anime le monde. Les démons, le diable, tu voyais, le péché, tout ça anime le monde. Et voilà, il dit, parce que ton cœur s'est élevé. Donc nous, enfants du Seigneur, on ne doit pas chercher à s'élever, chercher à écraser les gens. Parce que lorsqu'on cherche à s'élever, forcément, on va écraser les gens autour, voyez. Et ce n'est pas une attitude que nous, les enfants du Seigneur, nous devons avoir. Cette attitude de dominateur, cette attitude d'écraser les gens, voyez. Et le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il a dit que le plus grand soit le serviteur de tous. Il n'a pas dit que le plus grand domine tout le monde. Non, il a dit que le plus grand soit le serviteur de tous. Vous voyez, c'est l'inverse du diable. Le diable, lui, il s'élève et il écrase tout le monde. Et on voit cette attitude dans beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Une attitude de dominateur. Une attitude de vouloir tout gérer, tout contrôler, que tout passe par elle ou par lui. Et c'est vraiment un mal chez beaucoup de chrétiens, dans le milieu chrétien. Et on le voit même dans le monde. Et nous, les enfants du Seigneur, on ne doit pas fonctionner de cette manière-là. Que le plus grand soit soit l'esclave de tous, en vérité. Hein. Voilà. Hein. Et plus tu te rabaisses, plus tu t'humilies, plus le Seigneur t'élève. Et c'est ce qui crée beaucoup de désordre, beaucoup de bazar, de cancan, de problèmes dans le milieu chrétien. Et donc voilà. Et on le voit. Hein.
Tout le monde veut être le monde, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être élevé, tout le monde veut est prêt à tout en vérité, quitte à faire des pactes, quitte à faire des alliances, même les chrétiens, quitte à faire des alliances ténébreuses, des alliances mystiques, des alliances où il n'y a pas le Seigneur, dans le but de quoi, de faire quelque chose, de faire un travail, de faire une œuvre quelconque, et c'est ça qui tue l'humanité, vous voyez. Donc parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit « Je suis elle », tu vois. Donc beaucoup se sont eux-mêmes établis, eux-mêmes appelés, eux-mêmes mis dans une œuvre, eux-mêmes commencé une œuvre sans même que le Seigneur les ait positionnés. Vous voyez, et quand quelqu'un se met dans une œuvre que le Seigneur ne lui a pas donnée, eh bien, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on va user de toute stratégie, de toute chose pour pouvoir faire fructifier son travail, faire élever son travail. Eh bien, on va user de manière charnelle, de manière des choses complètement charnelles, quoi. Voilà, charnelles, démoniaques, pour pouvoir s'irriguer, s'élever et dire moi, 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 vous voyez. Et voilà, alors on continue. Je suis assis sur le siège d'Elohim, au cœur de la mer, tu vois. Donc en gros, on peut voir par là aussi. Et là, c'était au ciel. Donc le diable, Lucifer était au ciel avant de devenir diable. Il avait une position au ciel, une position qui était élevée, une position qui était vue de tous, une position qui, voilà, qui lui donnait du crédit, voilà. Il avait du crédit, beaucoup de crédit aux yeux de tous les anges. Tous les anges, voilà, aussi, voyaient sa position. Donc, il avait un pouvoir. Vous voyez, il avait une autorité, il avait du poids. Vous voyez, si je peux dire ce mot-là. Vous voyez? On continue à lire. Père, prends le contrôle, papa, de ce partage, Seigneur, au nom de Yeshua. Père, que tu puisses, papa, nous donner ce que tu as à nous dire, Seigneur, dans le nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Au cœur de la mer, quoi que tu sois un être humain et non elle, mais tu te fais un cœur semblable au cœur d'Elohim. Vous voyez? Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est obscur pour toi. Vous voyez? Tu t'es acquis des richesses par ta sagesse et par ton intelligence, et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as multiplié tes richesses par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Donc on voit par là que il était au ciel, et comme il a voulu prendre la place du Seigneur, la position de notre grand maître chéri d'amour, Yeshua de Nazareth, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a fait un commerce, nous dit la Bible. Il a fait un commerce, tout ça. Il est parti engrainer, en gros, si on peut dire ce mot, engrainer. Engrainer. Il est venu parler aux anges, tout ça. En gros, il a fait son business dans les coulisses. Il a fait son coup d'état, vous voyez, dans les coulisses, pour prendre la place que le Seigneur occupe plutôt, parce qu'il occupe toujours sa place. Donc il a voulu prendre la place que le Seigneur occupe. Et il a fait toutes sortes de choses dans les coulisses. Ça s'est fait peut-être, on ne sait pas de telle manière, mais certainement petit à petit, ouais, tout ça. Il a commencé peut-être à raconter des choses sur le Seigneur pour monter les anges contre le Seigneur. Il en a pris un, deux, trois. La Bible nous dit qu'il a pris des myriades et des myriades. Et sa mission, c'était de faire quoi? De prendre la place du Seigneur, de dire que vous m'adorez moi. Et comme il était avec les anges au ciel, donc les anges pouvaient aussi l'écouter. Vous voyez? Donc les anges pouvaient l'écouter pour lui dire, quand il parlait aux anges, pour les enrôler dans sa rébellion. Donc les anges l'écoutaient. Pourquoi? Parce qu'il avait une position qui était là, et il a du poids, il est proche du Seigneur. Vous voyez? Donc les anges pouvaient dire, mais il est proche du Seigneur. Donc ça veut dire que tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Ah ouais, donc c'est vrai tout ce qu'il raconte, parce que, il est beau, tout ça, il a une position, il a une onction, tout ça. Il prêche, il chante, en plus il dirige la chorale, il a les musiciens, tout ça, donc on peut l'écouter, quoi. Donc ils ont commencé à écouter le diable, Lucifer, écouter tout ce qu'il leur a communiqué comme semence, hein. Oh, patati, le Seigneur n'est pas bon. Oh, le Seigneur n'est pas amour.
Oh, le Seigneur est ceci. Oh, le Seigneur est ceci. Plein de paroles dans le but de quoi? De monter son armée. De retirer des gens, de retirer les anges du royaume du Seigneur. Oh, mes amis, le commerce, le business, la manipulation. En fait, il a manipulé les anges. Les anges se sont laissés manipuler alors qu'ils étaient dans la gloire du Seigneur, alors qu'ils vivaient la gloire du Seigneur. Ils étaient dans le feu de Yeshua, frère. Donc, il s'est laissé séduire. Ils se sont laissés séduire par cet être qui a voulu prendre juste la place du Seigneur. En fait, dans son cœur, il avait un dessein. Il avait un dessein bien précis. Il avait un plan bien précis. Voyez. Et ceux qui se sont laissés enrôler, manipuler, eh ben, on le sait par la suite, on va le lire. Voyez. On va lire qu'est-ce qui s'est passé. Tu t'es acquis des richesses par ta sagesse et par ton intelligence. En gros, il avait une position que le Seigneur lui a donnée. Il a amassé, il a amassé, il a amassé. Donc il a pris, il avait plein de choses. Vous voyez, il a beaucoup de richesses que... Vous voyez, on le lit. Hein. Tu t'es acquis des richesses par ta sagesse, par ton intelligence. Tu as amassé de l'or. En gros, il était intelligent. Il est intelligent. Vous voyez, il était intelligent. Il avait cette intelligence. Vous voyez, vous voyez, quand on le dit plus haut, hein, on dit qu'il est plus sage que Daniel. Rien de secret n'est obscur pour toi. Donc imaginez-vous tout ce qu'il avait en sa possession. Comme talent, comme... il avait plein de flèches à son arc, voyez, pour pouvoir atteindre les anges et les séduire et les ramener dans sa rébellion, les ramener dans son business, dans son commerce, dans son œuvre, parce qu'il voulait faire une œuvre. Oh là là, non, c'est terrible. Et c'est la même chose qui se produit chez les chrétiens ou dans le monde, voyez. C'est ce genre de comportement, ce genre d'attitude, voyez. Et ça se fait délicatement, c'est pas forcément vu de tous, dans les coulisses, discrètement. Il travaille, tu vois. Donc il pouvait passer des coups de fil là-bas, là, passer des coups de fil à l'ange là-bas, et l'autre ange aussi, coup de fil à l'autre. Et en gros, l'autre va en fait, lorsqu'il donnait une semence à 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, eh ben, les autres allaient répercuter la semence. Imaginez-vous, mes amis. Une fois qu'ils ont été piqués, une fois qu'ils ont été séduits, ils ont fait ce travail de mouche, de fourmi. Et ça a fait ça a monté comme ça, ça a monté. Ça c'est, oh, c'était terrible. Et le Seigneur, il voyait tout ça. Vous voyez, il sait tout. Vous voyez. Donc on ne sait pas combien de temps ça a pu mettre, tout ça là. Mais en tout cas, ça s'est passé. Vous voyez, un business, le commerce. Ils ont dû faire des échanges, tout ça, des... Voilà, oui, toi, ben, lui, on veut... Ben, il s'est dit quoi? On va essayer de prendre des talents là-bas, là, les talents. Donc celui-là, là, il a tel truc. Bon, celui-là, on va l'apprendre, celui-là. Il va utiliser son talent pour notre royaume. Lui, on va prendre ça là-bas, comme ça, il va faire ça pour mon royaume. Lui, là-bas, on va le prendre. Et pour notre royaume, il va faire ça, celle-là, voilà. Et voilà. Tous les dons que le Seigneur leur avait donnés, eh bien, tout ça par la suite, c'est transformé en don diabolique. Vous voyez? Ils ont utilisé tous les talents qu'ils ont reçus pour le mal. Vous voyez? Oh, c'est terrible. Oh, Seigneur. Tu as multiplié tes richesses par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Puis ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a tellement vu qu'il était riche, il avait plein de choses, plein de richesses, d'intelligence. Il s'est dit, ah, moi là, je peux devenir quelqu'un ici là. Je peux prendre la place du grand roi. Je peux être le seul là où qui va recevoir l'adoration. C'est moi qui va bosser ici maintenant. C'est moi le chef. Vous voyez, en fait, il voulait devenir le chef. Vous voyez. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans la parole que le plus grand soit le serviteur de tous. Parce que le Seigneur connaît l'homme. Il sait que le diable, ben, peut nous tenter, peut nous faire dominer les autres, manipuler les gens, séduire les gens. Donc forcément le Seigneur nous dit quoi? Eh ben voilà, comme on a des dons, des talents du Seigneur. Eh ben ces dons, ces talents qu'on a reçus du Seigneur, l'onction qu'on a reçue du Seigneur, peut nous faire, ben quoi? Peut nous faire manipuler les gens, peut nous faire détruire les gens. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous dit que si nous qui avons reçu, nous qui sommes plus grands, voilà, qu'il dit le plus grand soit le plus petit aux yeux de tous, l'esclave de tous plutôt. Donc du coup,
plus le Seigneur nous élève, plus le Seigneur nous utilise, plus le Seigneur se révèle à nous, plus on doit s'écraser, plus on doit s'humilier pour ne pas être un fardeau pour les âmes, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les âmes, pour ne pas être un gourou pour les âmes. On doit s'écraser. C'est ça que le Seigneur nous demande, cette attitude d'enfant du Seigneur. C'est terrible. Donc en gros, il s'est dit, je suis riche, j'ai pris ce que j'avais à prendre auprès du Seigneur. Maintenant là, je vais faire ma vie quoi. Donc je ne pars pas seul, hein. Je prends une équipe, je prends des hommes et des femmes, j'en prends, voilà. Il les a séduits. Oh c'est terrible, il les a séduits, voyez. Et c'est ce qui se passe aussi chez les chrétiens, voyez. C'est pour ça que même si le Seigneur nous donne des dons, le Seigneur nous donne des visions, des songes, il nous utilise, il peut t'utiliser puissamment dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle chose. Eh ben, il ne faut pas dire que tu vas vouloir t'élever, vouloir devenir quelqu'un, vouloir devenir orgueilleux, tout ça. Non. Peu importe que tu as ce que nous avons reçu du Seigneur, on doit regarder les autres comme plus grands que nous. Ah oui. Eh oui. Tu vois. Donc il était auprès du Seigneur, il s'est amassé des choses, amassé des choses. Et il s'est dit là, c'est bon, je peux devenir quelqu'un là. Là, je peux devenir quelqu'un. Donc dans les coulisses, il a pris tous les numéros de téléphone. Tous les numéros de téléphone des anges. Ça, c'est pour imaginer un peu la chose. Pour vous dire en fait que lorsque tu travailles avec quelqu'un, lorsque tu pries avec quelqu'un, eh ben, on ne sait pas quelles sont les intentions des cœurs. Parce que beaucoup de gens sont ambitieux. Ils ont des ambitions et leur ambition, ben, elle est purement charnelle. Et leur ambition, c'est quoi? C'est d'être au devant. Voyez, beaucoup de chrétiens, ils ont une seule envie, c'est quoi? C'est d'être au devant. C'est eux qui veulent mener la danse, la cadence. C'est eux qui veulent tout gérer, donner des ordres. Voyez, écraser les gens, mes amis. Voilà comment le diable rentre dans beaucoup de cœurs. Ils veulent tout gérer, tout dominer. C'est eux qui doivent tout faire. Voyez, oh mes amis, oh c'est terrible. C'est pour ça en fait, on vous dit, hein, qu'on ne collabore avec aucun groupe. Parce que même chez nous, on a pu bosser avec des gens, mes amis, c'était ce type de comportement. Vous voyez, on a pu voir ce genre d'attitude, ce genre de choses où on veut, c'est moi. Alors que d'autres qui ont reçu de grandes choses du Seigneur, eh ben s'effacent, s'écrasent. Mais d'autres, non, c'est moi. Ça, voilà comment le diable rentre dans beaucoup de cœurs, mes amis. Je vous dis la vérité. Oh, c'est terrible. Ah oui. Vous voyez? On ne dit pas tout, hein. C'est pas tout qu'on va dire comme ça, tout ça. Mais le Seigneur donne des temps pour partager et pour, voilà, éclairer aussi nos frères et sœurs qui sont dans les nations, qui travaillent avec des hommes et des femmes et qui ont ce genre d'attitude. Quand tu vois quelqu'un avec qui tu travailles, quand tu vois quelqu'un veut toujours être premier, toujours tout gérer, toujours, moi, mon ami, fais attention. Ah oui. Et en général, quand tu vois ce genre de personnes, ils font toutes sortes de choses. Péché. En fait, ils n'ont pas une attitude de chrétien, tu vois. Et les enfants du Seigneur, eh ben, sont dérangés par l'attitude qu'ils peuvent avoir, voyez. Une attitude qui n'est pas dans la parole. C'est pour cela, en fait, que nous devons être vigilants et être intransigeant par rapport à ce genre de comportement, frères et sœurs. Ah oui. Ah oui, mes amis. Nous sommes dans un temps là, c'est pas un temps où il faut être dans l'amitié, hein. Un temps où il faut être dans l'amour, hein. Parce qu'aujourd'hui, on prêche un évangile amour. C'est un évangile qui accepte de prier avec même ceux qui vivent dans le péché, de manger avec ceux qui vivent dans le péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un trompe son mari, on veut nous faire croire aujourd'hui que on peut prier avec, on peut manger avec, voyez, cet évangile-là. Quand quelqu'un ne veut pas se relever, quand quelqu'un ne veut pas se repentir de ses péchés, on ne peut pas manger avec lui, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est un évangile qui court le milieu chrétien. Un évangile qui dit, ben oui, ben, il faut l'amour, quoi. C'est comme si quelqu'un te cambriole et...
deux fois, trois fois, quatre fois, il te cambriole, cinq fois, six fois, dix fois, vingt fois, il te cambriole, oui, tu lui pardonnes. Mais est-ce que pour autant, tu vas lui laisser ta clé de maison quand tu partiras en vacances? Dis-moi, réponds. Vas-tu lui laisser ta clé de maison? Il t'a cambriolé 20 fois. Est-ce que tu vas lui laisser ta clé de maison? Évidemment, tu lui as pardonné, mais évidemment, tu ne lui feras plus jamais confiance. C'est fini. Eh bien, être chrétien, c'est pas genre on pardonne et oui, on ferme les yeux, tiens ma clé de maison. C'est pas ça être chrétien, c'est pas ça l'amour du Seigneur. À moins qu'on soit plus amour que le Seigneur. Et je ne pense pas qu'on soit plus amour que le Seigneur. Et même le Seigneur, dans son amour, regardez ce qu'il a fait au diable là-haut. Là. Il les a chassés du royaume. Vous voyez? Chassés du royaume. C'est terrible. Chassés du ciel. Pourquoi? Parce que le péché était rentré. Le péché était rentré dans les cœurs de tous ses anges. Donc le Seigneur n'a pas regardé à un seul. Il a dit, bon, vous tous là, Michael, on a vu dans l'Apocalypse, on va le prendre tout à l'heure. On va le prendre tout à l'heure. Il les a tous chassés. Pourquoi? Parce que ils ont tous été pollués là-dedans, mes amis. Tous étaient pollués. Et le Seigneur a dit, non, je ne veux plus travailler avec tous ces anges-là. Il les a chassés. Vous voyez? Et eux, de toute façon, le Seigneur les a chassés. Parce qu'ils avaient, voilà. Le Seigneur, il est terrible, le Seigneur. Il est terrible. Il est terrible. Vous voyez? La sainteté du Seigneur, frère. Donc, qu'est-ce que fait la sainteté du Seigneur fait quoi? Eh bien, là où il y a la sainteté, on ne peut pas demeurer avec le péché. Tu vois? Donc, le péché ne peut pas demeurer avec nous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas cohabiter avec le péché. On ne peut pas manger avec le péché. Non. Une fois que le Seigneur nous révèle le péché, mes frères et sœurs, il faut le chasser. Tu vois? Tu vois? Ou le dénoncer. Et quand il y a repentance, on pardonne, on relève la personne, il n'y a pas de souci. Tu vois? Et on fait comme le Seigneur conduit. Tu vois? Tu vois? Mais il ne faut pas qu'on se dise que oui, il faut être amour, tout ça. Moi, personnellement, regardez par exemple moi. Tu me voles 4 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu me voles. Je vais te pardonner. Une fois tu me voles, je te pardonnerai. J'irai en compassion, tout ça. Bon, on va avoir compassion, tout ça. Deux fois, bon, je pardonne toujours parce qu'on est chrétien. On pardonne. Trois fois, quatre fois. En fait, il ne faut pas être naïf. Tu vois? Et les anges là, au ciel, là, ils ont été naïfs. Naïfs. Tu vois? Parce que comme Lucifer avait une position auprès du Seigneur, ils ont écouté plus la parole de Lucifer qu'ils ont écouté la parole du Seigneur, mes amis. Donc voilà pourquoi il est plus important pour nous, les enfants du Seigneur, à écouter la parole du Seigneur qu'à écouter la parole des hommes ici et là. Tu vois? Ah, c'est important. Si on te dit quelque chose, il faut aller prier, demander au Seigneur de te révéler les choses. Tu vois? Parce que beaucoup aujourd'hui peuvent être détruits, beaucoup sont détruits parce qu'ils avalent tout ce qu'on leur dit. Regardez dans les églises. Il n'y a qu'à voir le comportement des pasteurs, de beaucoup. Cette position où ils disent « Ah, les fidèles, il faut qu'ils fassent A. » Tu vois? Parce qu'ils ont cette position. Les gens pensent qu'ils ont une place plus près du Seigneur que eux-mêmes. Et donc les anges là, ils ont cru qu'ils se sont dit « comme Lucifer a une position très proche du Seigneur, tout ce qu'il dit là, comme il est position élevée dans le royaume là, tout ce qui vient là, ça vient du Seigneur. » Attention. Et c'est là que beaucoup utilisent leur position, utilisent une position, parce que l'enfant du Seigneur que le Seigneur positionne va pas prendre sa position pour voler les gens, pour dépouiller les gens, pour manipuler les gens, pour non, faire du commerce, tout ça. Non, au contraire, il va s'humilier, il va se rabaisser, tu vois. Et plus le Seigneur te rabaisse, plus il va t'élever. C'est comme ça qu'il fonctionne le Seigneur. Alléluia. Voyez? Donc Lucifer, il a pris du grade auprès du Seigneur. Il a pris du grade. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, tu peux prier avec des gens, marcher avec des gens. Toi qui a, je prends tous les exemples possibles. Tu as une entreprise, tu vois. Donc la personne sait que tu as des millions d'argent. Il sait que tu as des millions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour être proche de toi, tu vois. Proche de toi afin de bénéficier de ce que tu as, tu vois. Afin de faire aussi son trafic derrière. Il va rester auprès de toi, ramasser, tu vois. Il va demander des billets. Ça, je prends l'exemple, par exemple, du monde.
du monde, ou même temps où suis un frère en Yeshua qui a son entreprise et qui rapporte aussi des finances. Voilà, c'est une vérité aussi, le Seigneur peut donner des entreprises à ses enfants. Donc tu vois, donc il va falloir que tu veilles par rapport aux gens qui t'entourent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont t'entourer pour bénéficier de ce que tu as, tu vois. Et pour faire quoi? Eh bien, ils peuvent te soutirer de l'argent, te soutirer, et demain, ils vont faire quoi? Ils vont bâtir leur empire, tu vois. Dans quel but? Dans le but de te dépasser. Oh là 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 là. Dans le but de s'élever au-dessus de toi et de gagner plus que toi. C'est une réalité, mes amis. C'est terrible. Et sur le plan de la foi, sur le côté foi, marche en Yeshua, eh ben, tu peux collaborer, tu peux travailler avec des gens, tu vois, qui sont là que dans le but de se faire voir autour de toi, de se faire connaître autour de toi. Et dans quel but après? D'aller d'une manière complètement à l'envers de la parole, dans la rébellion, d'une manière complètement anti-biblique, quoi. Tu vois, aller faire quoi? Vouloir en fait faire ce que toi tu peux faire, tu vois, mes amis. Ah oui, c'est une réalité. Et c'est ce que le diable fait. Il est descendu du ciel, il a été chassé du ciel. La parole nous dit que dans l'Apocalypse, il y a eu une guerre au ciel entre Michael et les anges et le diable et ses anges. Il y a eu un combat au ciel. Le Seigneur a envoyé Michael pour l'éjecter du ciel. Donc il a été éjecté du ciel. Et bien sur terre, il fait quoi? Il refait ce qu'il a vu au ciel, mes amis. Oh là là. Il refait le même gouvernement. Enfin, il copie plutôt. Tu vois? C'est-à-dire en fait quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prêcher la Bible, prêcher la parole du Seigneur. Mais en vérité, ils sont comme le diable. Le diable prêche, il fait son business sur la terre. Il fait son business. Tu vois, il a son royaume, il a son gouvernement. Comme au ciel, le Seigneur a son gouvernement. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêchent aussi. Mais en vérité, ben, ils prêchent avec le diable. Ils vivent pas cette parole. Ils vont pas la vivre. Mais ils vont la prêcher. Dans quel but? Dans le but de faire du commerce. Dans le but d'attirer les âmes. Dans le but de quoi? De dépouiller les âmes, mes amis. Ah oui. Ah oui. Et de détruire les âmes. Tu vois? C'est-à-dire que le message que tu vas recevoir de ces personnes qui sont dans le péché, vivent dans le péché, eh bien, ils vont t'envoyer de l'eau sale sur toi, mon ami. La parole qu'on te proclamer, ce ne sera pas une parole de vie, une parole qui va produire la vie en toi, qui va produire en toi la sainteté, qui va produire en toi les fruits de l'esprit. Mais au contraire, cette parole va faire quoi? Elle va t'envoyer de l'eau sale, des semences, des ténèbres, mes amis. Ah oui. Ah oui. Quand tu par exemple, tu ouvres ton robinet à la maison et que le robinet il sort de l'eau sale, est-ce que tu vas boire? Nous sommes des sources aussi, nous. Donc, c'est-à-dire que si la source d'eau chez toi n'est pas pure, purifiée, ben, tu ne pourras pas boire cette eau. C'est-à-dire que nous devons boire de l'eau pure, recevoir un évangile pur, un évangile qui sort d'en haut en vérité, pas un évangile charnel, pas un évangile qui produit pas la vie du Seigneur, mes amis. Comment le savoir? Eh bien, il faut prier le Seigneur pour montrer l'état des cœurs, l'état des âmes, mes amis. Ah oui, voyez? Donc on voit par là qu'il s'est élevé à cause de ses richesses. Tu vois? Donc beaucoup d'hommes et de femmes veulent s'élever. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des choses. Ils ont reçu des grâces, des talents. Et ils ont dit, ben non, ben moi je vais faire mon business. Moi c'est bon. Je peux prêcher, je connais quelques versets. Ben je peux prier pour les malades. Tout ça, ben je vais le faire. Ben tout ça. Et on a vu le diable. Le Seigneur l'a éjecté du ciel. Il est parti avec ses dons. Tous les dons, tout ça, tous les talents, tout ça, il est parti avec, mais c'est complètement ténébreux. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que les faux pasteurs, tout ça là, eh ben ils peuvent prêcher la parole, mais ben, c'est pas le Seigneur qui est là. Tu vois? C'est pas le Seigneur. Ce sont des dons qui sont là, des grâces qui sont là, mais qui sont purement au profit des ténèbres. Tu vois, ça ne glorifie pas le Seigneur. Tu vois, il n'y a qu'à voir leurs fruits. La parole nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leur langage, leur comportement, leur attitude. Voyez, tu vois comment ils se comportent, tu vois leur foyer. Tu vois. En fait, il faut aller les approcher. Et c'est là que tu verras les fruits qu'ils portent, mes amis. Ah oui, hein. C'est terrible ça.
les fruits qu'il porte. Tu vois? Tu vois? Et ceux que le Seigneur envoie, ils ne cherchent pas à se glorifier. Non, 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 non. Ils ne cherchent pas à être au devant. Non, 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 non. Ils cherchent en fait en vérité à glorifier le Seigneur. Ils cherchent à glorifier Yeshua, mes amis. Quand tu le vois, tu ne sauras même pas que c'est lui qui a reçu une vision. Quand tu le vois, tu ne sauras même pas que c'est lui qui a reçu tel ou tel don parce qu'il ne va pas se mettre en avant. Mais les faux serviteurs, les envoyés du diable, les faux chrétiens, eh bien eux là, eh bien quoi? Eh bien ils se mettent au devant. Ils veulent que tout passe par eux. C'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ils veulent être partout, mes amis. Tu vois? Et on va par là, hein, que le diable au ciel, il a fait un business. C'est-à-dire que, comme il était au ciel, il est parti voir tous les anges. Ça va toi? Tu vas bien? Il a commencé à prendre leur numéro de téléphone, tout ça, parler avec eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, numéro de téléphone, tout ça, dans tout le royaume. Dans tout le royaume, il est parti voir tous les anges, tout ça. Il a même envoyé des acolytes, envoyé des gars qui bossent pour lui. Oui, il a pris le numéro de téléphone, tout ça, tout ça, tout ça. Jusqu'au jour venu, là, mes amis. Jusqu'au jour où il voulait prendre la place du Seigneur, mes amis. Vous voyez la folie? C'est terrible. Donc, pourtant, il avait une position. Pourtant, la parole nous dit, hein, on va continuer à lire. Verset 6. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh, parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur d'Elohim. À cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers les plus terrifiants parmi les nations. Ils tireront leur épée sur la beauté de ta sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse. Et tu mourras de la mort de ceux qui sont blessés mortellement au cours de la mer. En face de ton meurtrier, tu diras-tu, je suis Elohim. Tu seras un être humain et non elle, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras. Voilà, on va descendre. Verset 11. C'est pour ça qu'on dit, hein, on ne bosse avec aucun groupe d'évangélisation, mes amis. Aucun groupe. Non, 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 non. Si c'est avec nos frères et sœurs avec qui on partage la parole aux Antilles, qu'on va en mission, tout ça, etc., il n'y a pas de problème. On peut prier ensemble, tout ça, partager un peu ensemble la parole, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en vérité, on ne bosse sur Paris, hein, avec aucun groupe. On leur dit haut et fort, ne nous associer avec aucun groupe d'évangélisation sur Paris, là, mes amis. Non, 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 non. Voilà. Parce que s'il y a des choses qu'on peut, si on dit des choses ici, là, c'est, mon ami, c'est compliqué. Donc, on le dit haut et fort, mes amis. Voilà. Voilà. On ne se moque pas du Seigneur, mes amis. Ah non, il est saint. On ne joue pas avec la parole du Seigneur. On ne joue pas avec le péché. Le Seigneur, il est saint. Ah oui, mes amis. Donc, à travers ce message-là, on partage la parole. On en Yeshua. Voilà. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle Adonai. C'est terrible ça, on va revenir un peu là-dessus là. Donc c'est-à-dire qu'au ciel, le diable, Lucifer, donc en gros, il a raconté, qu'est-ce qu'il a dû dire aux gens au ciel là, mes amis? Imaginez-vous qu'est-ce qu'il a pu dire aux gens sur le Seigneur, sur le royaume du Seigneur, sur l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a pu dire, mes amis, pour que des millions et des millions et des millions d'anges aient été ravis par lui? Qu'est-ce qu'il a pu raconter? Vous avez vu un peu le truc, mes amis, là? C'est qu'avec le poids qu'il avait, la position qu'il avait, eh ben, ça a joué dans le cœur des anges. C'est-à-dire que la position qu'on peut avoir peut... En fait, oh là là, c'est terrible. C'est-à-dire que là où le danger, il est, c'est quoi? C'est que le ciel, il a si bien dit, hein, que le plus grand soit l'esclave de tous. Vous voyez? Parce qu'il sait que le plus grand, là, celui qui est positionné, peut avoir, sa parole, là, peut avoir des effets terribles dans les cœurs. Donc, la parole de Lucifer, du diable au ciel, là, Lucifer, a eu de l'impact dans les cœurs des anges, au point où ils ont pris position pour Lucifer. Vous rendez compte de ça, mes amis, mes frères et sœurs? C'est que le Créateur les a créés, ils n'ont plus cru en sa parole, en ce que lui disait, mais ils ont cru en Lucifer. Oh là là, c'est terrible ça, mes amis. Hein. Vous voyez la séduction? La séduction. Combien l'ont suivi? Des myriades et des myriades. On ne bosse avec aucun groupe d'évangélisation, nous. Aucun. Voilà. Voilà, mes amis. On en Yeshua. C'est terrible ça.
La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, « Fils d'humain, élève un chant funèbre, le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi parle Adonai, roi, Adonai, Yahweh, toi le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté. » C'est terrible ça. Parfait en beauté. Tu vois? Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. C'est-à-dire qu'il était dans le jardin, frère. Il était positionné, il était dans le royaume. C'est terrible. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'il travaillait, il chantait peut-être. Ouais, je ne sais pas qui peut-être, il chantait, il travaillait, tout ça. Il avait une position, mais il voulait plus. Vous voyez? Ta couverture était des pierres précieuses. Ça ne le suffisait pas. Tu as reçu une grâce du Seigneur, mais ça ne te suffit pas. Tu veux plus. Tu as reçu pour chanter, tu veux faire plus, mon ami. On doit se contenter de ce que nous avons reçu du Seigneur. On doit travailler avec les armes, la grâce que le Seigneur nous a donnée, sans chercher à vouloir plus. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber dans des choses qui sont charnelles, qui ne glorifient plus le Seigneur, mes amis. Voyez? Alléluia. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes, de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or, des tambourins. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est terrible. C'est-à-dire qu'il était resplendissant. Oh là là. Vous voyez ça? Donc en fait, il est parti avec tout ça. Et tout ça là, eh ben, il utilise cela en fait maintenant pour faire croire aux gens que, eh ben, tu as vu, moi, je suis avec le Seigneur. Hein. Je marche avec le Seigneur. Et combien aujourd'hui l'adore et comme étant Dieu aujourd'hui, mes amis? Comme la parole le dit, hein, il est le Dieu de ce siècle, le Elohim de ce siècle. Voyez? Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Tu vois? Oh, je marche avec le Seigneur, moi. Oh, moi, je marche avec le Seigneur. Et beaucoup sont séduits par cela. Voyez? C'est-à-dire que des gens peuvent marcher avec toi. Ils vont te dire, ils vont dire, ah, mais moi, je marche avec lui, moi. Moi, je marche avec lui. Moi, je marche avec un tel. Oh, moi, je marche avec un tel. Quand quelqu'un te dit ça, là, commence à prendre tes jambes à ton cou et quitte cette personne, mon ami. À partir du moment que quelqu'un te dit, je marche avec un tel, au moins un tel, au moins un tel, c'est que son cœur est sur les hommes. Son cœur n'est pas sur Jésus, frère, n'est pas sur Yeshua. On le voit dans le monde. Combien vont évangéliser? Ils évangélisent leur pasteur. Ils évangélisent plutôt le nom de leur pasteur, le nom de leur église. Mais ils ne prêchent pas Yeshua. Quand quelqu'un veut te prêcher son église, son pasteur, mon ami, prends tes jambes à ton cou, quitte cette personne, mon ami. Combien vont utiliser les noms de leur pasteur pour séduire les âmes? Tu vois? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des sectes qui sont créées. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont prêcher le nom de leur prophète. Comme là en Afrique, là, il y a un homme là, les Kibangis, je ne sais pas quoi, Kibandis. Ils vont prêcher le nom de Simon Kibangou, je ne sais pas comment il s'appelle. Ils vont prêcher son nom. Vous voyez? Au lieu de prêcher Yeshua, ils vont prêcher le nom d'un homme, le nom de leur église. Tu vois? Et pour que quelqu'un pour séduire quelqu'un, pour faire croire aux gens que, ben, en fait, en vérité, tu peux me faire confiance, eh ben, ils vont te dire, je marche avec un tel. Tu vois? Tout ça dans le but de t'enrôler dans leurs œuvres, t'enrôler dans leur programme, t'enrôler dans leur église, t'enrôler dans leurs œuvres. Oh oui, mes amis. Tu vois? Donc, quand quelqu'un te parle comme ça, là, il faut prendre tes jambes à ton cou. Si on ne te parle pas de Yeshua, on ne t'envoie pas vers Yeshua. Mon ami, prends tes jambes à ton cou. Si Yeshua n'est pas glorifié là où tu pries, tu dois quitter, mon ami. C'est terrible. Ah oui. On ne travaille avec aucun groupe d'évangélisation. Je le redis haut et fort. Sur Paris, là, en France, là, métropole, on ne collabore avec aucun groupe d'évangélisation. Voilà. Voilà, mes amis. Faut pas qu'on vous dise un tel, je le connais. Oh, tel, je suis avec, je prie avec. Mon ami, c'est faux. Non, pas vrai ça. C'est pas vrai. Si on t'a dit ça, c'est pas vrai. Si on te dit, oh, je marche avec tel frère, oh, tel EVDN, tout ça, oh, je connais bien EVDN, tout ça, voilà, je marchais, j'étais là aussi, je travaillais là-dedans, tout ça, patati, patata, mon ami, on ne travaille avec personne, aucun groupe d'évangélisation sur Paris. Non, 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 non.
Voilà. Tu vois? Verset 14. Tu étais un chérubin oint pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Elohim. Tu étais pour marcher au milieu des pierres de feu. C'est-à-dire que ça ne le suffisait pas. Vous savez, le Seigneur avait donné une position. Vous voyez? Des pierres, une beauté. Ça ne lui suffisait pas. Comme aujourd'hui, beaucoup, ça ne leur suffit pas que leur Seigneur leur donne un talent, deux talents, trois talents. Tu vois? Ils veulent plus, quitte à tuer, mes amis. Oh là là, Seigneur Yeshua. Oh Seigneur mon roi, papa. Oh mes amis. Ça ne leur suffit pas. Quoique le Seigneur nous dit qu'il faut fructifier. Mais comment? Dans la sainteté, dans la prière, tu vois, avec un cœur sincère, travailler pour le royaume, tu vois. Mais d'autres, là, ils vont vouloir, comment dire, détruire un pour récupérer son talent, mon ami. C'est ce qui se passe. Récupérer son offrande. Récupérer sa grâce, mes amis. Ça, c'est un mal qui... C'est une vérité, hein. C'est ce qui se passe chez les chrétiens, mes amis. Voilà pourquoi il y a un problème. Voilà pourquoi Yeshua n'est pas glorifié dans beaucoup de cœurs. Il y a un problème, mes amis. Le péché, l'amour du monde, l'amour d'être connu, l'amour de l'œuvre, l'amour du ministère, l'amour de prêcher, l'amour de tout ça, mon ami. Il y a un problème. Il y a un problème. Regarde bien, tu peux faire des programmes. Là où tu es, je ne sais pas où tu es. Quelqu'un a toujours reçu quelque chose. Quelqu'un veut toujours parler, toujours parler. Toujours dire que j'ai une vision, j'ai eu un songe, oh j'ai eu cela, j'ai une vision, j'ai eu un songe, toujours prêcher, toujours prophétiser, toujours, mon ami, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. C'est pour ça, hein, quelqu'un qui me dit tout le temps, il faut arrêter de baser sa vie que sur des songes, songe. À un moment donné, on ne va plus croire, c'est compliqué. Oh j'ai vu ça. Oh j'ai reçu. Oh j'ai vu. Oh patati. Mon ami, parle-nous de la parole. Parle-nous de la sanctification. C'est ça qu'on veut entendre. Oh, vision. Il y en a souvent, ils ont des visions comme pas possible. Mais souvent, leur vie là, c'est le péché. C'est le péché, mes amis. Tu vois? Donc quand quelqu'un veut te dire qu'il a tout le temps des songes, des visions, et que sa vie est dans le péché là, mon ami, pose-toi des questions. Il veut masquer sa vie de péché par les songes, les visions qu'il reçoit, pour que tu puisses croire plus aux visions que tu regardes à sa vie de péché, mon ami. Il y a un problème. Ah oui, là, on va plus se faire avoir comme ça, mes amis. On va plus se faire duper. Non. Le Seigneur nous donne vraiment ce cœur-là pour soutenir les gens, compatissant, amour, aider les gens, encourager les gens, parce que, voilà, je ne parlerai pas de nous forcément, mais voilà, juste une parenthèse, par rapport au travail que le Seigneur m'a personnellement confié par rapport à cette vision, comme vous pouvez le voir. Le travail qui se fait, oui, le Seigneur me donne de travailler, de prêcher, etc. Mais vous n'allez pas voir que Hervé. Il y a plein de grâces que le Seigneur nous a données dans son corps, et qui encourage le corps, qui encourage l'Église, et que nous mettons au profit de cette vision, afin que des âmes soient touchées dans les nations. Tu vois? Parce que si c'est par moi que le Seigneur va toucher quelqu'un, moi je crois qu'il peut passer par quelqu'un d'autre pour le toucher. C'est ça aussi que le Seigneur nous dit dans sa parole, l'humilité. Voyez, même si on a reçu telle ou telle chose, le Seigneur peut passer par quelqu'un pour communiquer à quelqu'un une parole. Voyez. Donc c'est ainsi que le Seigneur veut nous encourager à travailler, frères et sœurs, à travailler avec cet état d'esprit. Ne sois pas toujours toi qui vas être au devant. Même si tu as reçu des choses, des prophéties, des paroles, tout ça, mon ami, fais-toi petit. Ne cherche pas toujours à vouloir prêcher, mon ami. Toujours vouloir être au devant. Toujours vouloir être vu. Oh, moi. Toujours toi. Il faut faire attention, mon ami, au comportement, à l'attitude. Tu vois, à ne pas écraser les gens. À ne pas manipuler les âmes du Seigneur. À ne pas détruire les âmes du Seigneur. On doit faire attention aux paroles que nous disons. Attention à la vie que nous menons. Parce que nous sommes des voilà, il faut veiller. C'est terrible, ça. C'est terrible. Ah oui. On ne doit pas toujours vouloir prêcher. Tu vois? Tu te réunis avec des frères et soeurs en église locale, tu veux prêcher. Tout le temps, tous les dimanches, tous les samedis, tu veux toujours prêcher, mon ami. Et quand tu prêches 20 ans.
tu prêches 10 ans, on te donne 10 minutes, tu prêches 10, 30 minutes, mon ami. Tu vois pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Tu vois? Après, on va dire, oh, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Mon ami, il faut qu'on arrête aussi. Le Seigneur est un Seigneur d'ordre. Tu vois? On te donne de prêcher une heure. Toi, tu prends deux heures, mon ami. Quatre heures, mon ami. Il y a un problème. Tu vois? Tu vois? Ce n'est pas normal. C'est que en plus, tu racontes n'importe quoi. En plus, c'est ça le pire. Parce que quand tu fais n'importe quoi, quand tu dépasses le temps qu'on peut te donner, ben, c'est plus l'esprit. Il n'y a plus l'ordre. Après, on va dire, oh non, j'ai débordé parce que c'est l'esprit. Quel esprit est ça, mon ami? Hein? Quelle image tu vas laisser des gens? Quelle image? Quelle image? Vous voyez? Et tout ça, ce sont des choses que le Seigneur nous donne de faire attention, tu vois. Même si tu es le plus grand que tous, tout ça, on t'invite quelque part pour prêcher. Mais mon ami, tu prends pas 10 heures maintenant. Tu vois? Tu vois? Si tu t'arrêtes à un moment donné, je parle de ça. Le Seigneur sait pourquoi. Il sait pourquoi. Je suis convaincu que tout le monde, des gens vivent ça. Tu vois? Et il se passe quoi? Eh bien, si tu fais ça, mon ami, tu prêches 2 heures au lieu de 20 minutes, eh bien, il va se passer quoi? Ton témoignage va être cassé. Ton témoignage sera cassé, mon ami. Et on ne va plus t'inviter nulle part. On va dire, mais lui, là, et les gens peuvent, ils vont le faire par quoi? Par peur ou par... voilà. Mais dans leur cœur, là, ils savent que toi, là, t'es compliqué. Ils le savent, mon ami. C'est terrible, ça. Tu vois? Tu étais un chérubin loin pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim et tu étais. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu vois? Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé. Tu vois? En gros, dès qu'il a été créé, il fut intègre. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas créé le mal. Non, 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 non. Il fut intègre dès le jour où tu fus créé. Donc, il a été créé. Donc, Lucifer a été créé. Créé par qui? Yeshua, mes amis. Terrible, ça. Voilà pourquoi il faut adorer Yeshua, craindre Yeshua plus que craindre les démons, le diable. On doit craindre Yeshua parce que Yeshua, c'est lui qui l'a créé. Donc, s'il l'a créé, donc imaginez-vous la puissance de Yeshua, mes amis. Imaginez-vous sa puissance. Donc, faut arrêter de pécher. J'ouvre une parenthèse. Il faut arrêter de te masturber, mon ami. Parce que la puissance de Yeshua est plus grande que sa puissance. Donc il faut arrêter de convoiter les femmes, arrêter de convoiter les hommes, arrêter de séduire les gens, arrêter de pratiquer le péché, mon ami. Parce que Yeshua est plus grand que lui. Alléluia. Ah oui. Plus grand que lui. Donc on doit s'humilier. Tu vois, ne pas prendre la place du Seigneur. Tu vois. Alléluia. Terrible ça. Donc ton trône là, il faut casser ton trône. On ne doit pas avoir de trône, mes amis. Pas de trône. Et on voit dans les églises, les gens ont des trônes dorés. Vous voyez pas, c'est le diable qui est là-dedans, mes amis. Regarde dans ton église. Regarde dans ton église, là, ton pasteur, là, tes diacres, ils sont tous sur des trucs en or. Vous voyez pas que c'est l'enfer, ça, mes amis. Et c'est la même position que beaucoup de chrétiens veulent avoir. Le trône, le pouvoir, être au devant. Mon ami, il y a un problème. Ça, là, Il y a un problème. Quelqu'un qui veut toujours être au devant, il y a un problème. Oh mes amis, celui que le Seigneur élève, celui que le Seigneur positionne, eh bien il fait tout pour s'effacer. Il fait tout pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui a reçu quelque chose. Tu vois, il fait tout en fait. Il est au milieu de la foule, comme Yeshua. Alléluia. Yeshua, il était au milieu de tous. Eh bien il était habillé comme tout le monde, hein. On peut savoir que c'était lui parce qu'il n'était pas habillé comme tout le monde, mes amis. Il était habillé comme tout le monde plutôt. Il était habillé comme tout le monde. Donc on ne pouvait pas le reconnaître. Tu vois. Mais aujourd'hui, tout le monde veut qu'on sache que c'est eux qui dirigent. C'est eux. Ils ne mettent jamais les autres devant, mes amis. C'est toujours eux. Toujours eux. Allez voir les églises. Toujours les mêmes qui prêchent tous les dimanches. Toujours les mêmes. Toujours au devant. Il y a un problème, mes amis. Vous voyez? Et dans le corps de Yeshua, eh ben, le Seigneur ne veut pas cela. Il veut que tous nous soyons unis, tu vois? Et c'est comme ça qu'on a procédé. Même si tu as reçu un travail à faire, une œuvre à faire quelconque, eh ben, faut pas t'élever au-dessus de tes frères et sœurs. Faut pas les écraser.
faut pas les manipuler, leur faire faire des choses qu'ils n'ont pas reçu de faire. C'est là le danger. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous positionne, on peut faire faire aux gens n'importe quoi, mes amis. Oh là là. Et c'est pour ça que le Seigneur, il y a beaucoup de gens que le Seigneur n'a pas établi. Tu vois, beaucoup de gens n'ont pas été établis par le Seigneur parce que leur attitude, leur comportement détruit les âmes. Ils manipulent les âmes, ils détruisent les âmes, ils dépouillent les âmes. Ils font faire les âmes n'importe quoi. Ils prophétisent des choses pour mettre sur leurs dents, mes amis. Des fausses prophéties, tu vois. Tout cela pourquoi manipuler les gens, mes amis. Vous voyez, c'est terrible ça. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus trouvé, créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Vous voyez, verset 16. À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. Oh là là. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne d'Élohim. Et je te détruis du milieu des pierres de feu, chérubin protecteur. C'est terrible ça, mes amis. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu vois? Donc quelqu'un, vous voyez, qui a reçu un talent du Seigneur, des grâces, des dons, des talents du Seigneur, eh bien le danger là, c'est de se croire arrivé, de se croire... Moi je peux aussi faire des choses quoi. Moi aussi je peux prêcher. Moi aussi je peux. Alors que le Seigneur ne t'a pas envoyé. Tu vois, c'est terrible ça. Donc en gros, le talent qu'on a reçu du Seigneur, eh ben ça peut aussi nous boucher les yeux. Hein. On peut croire que c'est nous. On peut croire que c'est nous les c'est nous quoi. On peut tout est permis, on peut tout faire, on peut parler n'importe comment, on peut, ben c'est nous mes amis, voyez. Et c'est ça qui détruit les âmes, voyez. On ne bosse avec aucun groupe d'évangélisation, mes amis. Voilà, on ne travaille avec aucune personne, mes amis. Non. Ah oui, ah mes amis. Ah oui. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te donne un spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Tu as souillé tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités. Voyez, on ne collabore avec aucun groupe. Pas de collaboration, mes amis. On ne collabore avec personne. Voilà, je redis ça encore, haut et fort. Trop de désordre. Trop de magouilles, trop de choses dans les coulisses, mes amis. C'est terrible ça. Oh là là, Seigneur. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, en présence de tous, de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur. Tu n'existeras plus jamais. C'est que dans les coulisses, de telles personnes, ils créent que des chaos. Chaos sur chaos, mes amis. Ravage sur ravage. Histoire sur histoire. Ils détruisent des vies, frères et sœurs. C'est terrible, ça. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de veiller et prier et d'éprouver les esprits. Tu vois? Il faut éprouver les esprits, mes amis. Ah oui. Avant de vouloir prier à quelqu'un, avant de vouloir s'associer à quelqu'un, avant de vouloir... Il faut prier. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde veut chercher un prophète. Tout le monde veut chercher à suivre un prophète, tout ça. Mon ami, on doit chercher à écouter d'abord le Seigneur. Après, oui, le Seigneur permet que des frères et des sœurs partagent la parole pour être édifiés. Oui, c'est vrai. Mais on doit être plus attaché au Seigneur, attaché à Yeshua, premièrement, mes frères et sœurs, qui nous conduira dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, tu vois. Donc on ne collabore avec aucun groupe d'évangélisation, frères et sœurs. Non. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Voyez, le message que nous prêchons, c'est l'évangile de, voilà,
pure du Seigneur, la repentance, voilà, la repentance, le retour du Seigneur, la vie éternelle, la sanctification, se détourner du péché, voyez, pas de compromission, pas de mensonge, pas de péché, pas de haine, tout ça là, pas de divorce, tout ça là, pas d'adultère, tout ça, pas de masturbation, on va dénoncer le péché, mes amis. Et en général, hein, quand la vérité est proclamée, eh ben forcément, tu vas être traité de tous les noms. Tu vois, on va te traiter de tous les noms. Parce que, ben, quand, en fait, à force de marcher avec quelqu'un, mes amis, frères et sœurs, plus tu marcheras avec quelqu'un, plus tu vas fréquenter quelqu'un, plus, en fait, en vérité, si toi, tu marches dans la sanctification et la personne marche dans le péché, eh ben, plus, en fait, ces péchés seront de plus en plus dévoilés. On a des défauts, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a péché, mes amis, quand il y a des choses compliquées dans les coulisses qui se font, eh ben, la lumière... En fait, la prière, tout ça, la consécration, tout ça, eh ben, ça va tout exposer, frères et sœurs, je vous dis. Ah oui, et la personne ne pourra pas se sentir à l'aise, c'est pas possible. C'est pour cela qu'il faut être dans la prière pour savoir avec qui tu travailles, mes amis. Ah oui, je vous dis la vérité. Ah oui. Et le Seigneur va vous parler, il va te parler. Prie, demande au Seigneur qui est un tel, 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 qui est un tel. Mes amis, c'est terrible ça. Ah oui. Et ah oui, mes amis, trop de gens changent l'évangile. Trop de gens amènent un message qui est contraire à la parole, contraire à l'évangile pur du Seigneur, mes amis. C'est terrible ça. Vous voyez, nous, personnellement, cette vision que le Seigneur a donnée, on ne collabore pas avec le péché, mes amis. Ah non, 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 non. On ne collabore pas avec le péché. Ça, c'est au nom de Yeshua. Tu voyais? On ne collabore pas avec le péché. Voilà, c'est tout. On va pas nous faire boire le péché, boire les choses qui sont anti-bibliques. On n'est pas dedans. Quand il y a le péché, nous, on n'est pas dedans, mes amis. On avertit tout ça. Quand on voit que... On coupe les ponts, mon ami. On coupe les ponts. Donc, faut pas nous mélanger avec personne. Aucun groupe d'évangélisation. On n'est pas dedans, frère et soeur. On n'est pas dedans. Non, 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 non. Voyez, parce que les gens font n'importe quoi et après on va dire ah mais comme ils sont avec eux, ben eux aussi ils font pas, on fait pas pareil. Non, 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 mes amis. Ah oui, donc il faut prier que le Seigneur révèle l'état des cœurs de chacun. Voyez, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, la seule ambition qu'ils ont, c'est d'être un prophète planétaire, de devenir quelqu'un de reconnu, quelqu'un d'élevé, quelqu'un que tout le monde va s'agenouiller devant eux. Ouais, tu voyez? Oh, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible, mes amis. Donc, faisons attention à cela. Même si le Seigneur peut nous utiliser, peut faire quoi que ce soit, enfin, tout ce qu'il veut avec nous, eh ben, on doit tout faire pour se rabaisser, tout faire pour ne pas voler sa gloire, tout faire pour ne pas prendre la place du Seigneur. Tu vois? Alléluia. Veillons à cela. Veillons. Veillons, 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 veillons. Vous voyez? Donc voilà le partage qu'on a partagé. Mais en tout cas, la parole est claire, on les reconnaîtra leurs fruits. C'est-à-dire que si tu bosses avec des frères et sœurs pour un travail bien précis, tout ça, eh ben, il ne faut pas être dans le sentiment. Vous voyez? Ah oui, on n'est pas là à ses pieds mutuellement, ok, c'est pas le but, mais il faut, ne faut pas être dans le sentiment. Tu vois? C'est la parole du Seigneur qui doit nous unir en vérité. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? C'est magnifique, ça. C'est la parole qui nous unit, c'est la vérité. Quand il n'y a plus la vérité, comment tu peux t'unir avec le mensonge? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si quelqu'un te ment 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, il te ment, tout ça. Est-ce que tu vas lui laisser les clés de ta maison? Tu vas lui pardonner? Oui. Mais est-ce que tu vas lui faire confiance, lui laisser tes clés de maison, tu pars en vacances, genre tu pars en vacances, tu laisses tes clés de maison, tout ça, parce que tu as pardonné et... Non, séparation, tu ne pourras plus lui faire confiance, voyez. Et aujourd'hui, on est venu faire boire cela, mes amis, tu vois, on veut te faire boire cela. C'est comme si aujourd'hui, le Seigneur dit à Lucifer, les démons, eh bien, revenez au ciel, hein, revenez au ciel. On va de nouveau faire la fête ensemble, tout ça. Tiens ta position que tu avais, Lucifer. Tu sais, ben, tu sais. Regardez comment le Seigneur les a chassés du ciel, là, mes amis. Est-ce qu'on va dire que le Seigneur manque d'amour? Hein?
Est-ce qu'on va dire que Yeshua manque d'amour parce qu'il a chassé du ciel tous les anges là-bas, là, mes amis, qui sont devenus démons? Est-ce qu'il va les dire de venir au ciel là? Non. Est-ce que pour autant il n'est pas amour? Oui, il est amour. Donc s'il a fait cela, c'est pour un but bien précis. Bah oui. Pour faire quoi? Eh bien, protéger son royaume du péché. Alléluia. Donc ça veut dire que quand on se sépare du péché, des frères et sœurs qui vivent dans le péché, voilà, qui veulent pas changer, eh ben c'est parce que on protège son cœur du péché, tu vois. Et donc quand on dit il n'y a pas l'amour, mes amis, je bois pas de cette sauce là moi. Tu peux me traiter de tous les noms, je m'en fiche royalement, mon ami. On peut me traiter de tous les noms, mais je ne boirai pas de cette sauce. Je ne mangerai pas de ce manger cochon. Je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que j'ai pris part pour Yeshua. J'ai pris parti pour Jésus. Et non pour un homme. Non pour quelqu'un. Non pour une femme. Mais pour Jésus, Yeshua de Nazareth. Lui qui est mort sur la croix pour moi. Ah oui, mes amis. Ah oui. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à prendre position pour la vérité. Position pour la sainteté. Tu vois, tu avertis un frère deux fois, une sœur quatre fois, trois fois, dix fois, vingt fois. Tu l'as averti plusieurs fois. Averti. Tu vois? Et il continue à pécher. Il continue à faire des choses compliquées. Poser des actes compliqués. À un moment donné, non. Il faut la séparation. C'est pour cela qu'on dit qu'on ne travaille avec aucun groupe d'évangélisation sur Paris. Je le dis haut et fort encore. Ne attribuez aucune œuvre sur Paris avec nous. Voilà. Il y a des gens, ils t'approchent, c'est juste pour un but. Hein. Je vous dis la vérité. Juste pour un but. Prendre du crédit, quoique nous ne sommes rien, mais voilà, ils veulent être vus. On est là, on est vu, on est en mission, tout ça, on travaille, tout ça. Mais en fait, dans des cœurs de beaucoup de chrétiens, ils se cachent quoi? Des ambitions, mes amis. Ambitionner. Et pour faire quoi? Eh bien, pour s'élever, pour l'œuvre, l'amour de l'œuvre, l'amour du ministère, l'amour de prêcher, l'amour de courir ici et là. Voilà la motivation de beaucoup de chrétiens, mes amis. Tu vois? Voilà la motivation. C'est-à-dire que là où tu es, dans ton église, dans ta communion fraternelle, là où tu es, je ne sais pas, fais attention, mon ami. Quand tu vois quelqu'un, il y a toujours des songes. Tout le temps, prophétie, tout le temps. Il parle. Il veut prêcher. Il prêche 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures. Tous les week-ends, il veut prêcher. Quand quelqu'un a l'amour comme ça pour prêcher, c'est, attention, c'est quelqu'un qui va dominer sur vous là. C'est quelqu'un qui va dominer sur toi, mon ami. Je te dis la vérité. Il va t'écraser. Ah oui, mes amis, hein. Il va t'écraser. Voyez? Et ça, c'est les signes des hommes ou femmes qui ont des projets qui sont pas comme la parole, qui sont anti-bibliques. Tu vois, qu'ils agissent contrairement à la parole. Ils veulent s'élever d'eux-mêmes. Chercher la position élevée. Tu vois? Ils veulent rien faire simplement. Tu vois? Ils veulent s'élever. Quand c'est comme ça, là, on se sépare, mon ami. Ah oui. Tu vois? Et quand tu vas te séparer, on va te dire, tu sais, il n'est pas amour, lui, hein, ou elle. Hein. Ah, il n'est pas très amour, elle. Hein. Ah, tu sais, il faut pardonner. Hein. Il faut aimer son prochain, il faut pardonner, tout ça. Il faut pardonner. Voilà comment beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, mes amis. Quand quelqu'un te dit qu'il faut l'amour, alors que le gars, la personne ne péché comme pas possible, on te dit oui, il faut l'amour, c'est que la même personne qui dit ça là, lui-même ou elle-même là, elle vit dans le mal. Ah oui, faut pas chercher loin. Quand quelqu'un ne condamne pas le mal comme ça, c'est que lui-même ou elle-même est dans le mal. C'est une vérité. Ah oui. Quand quelqu'un cache comme ça, cache le péché comme ça là, c'est que lui-même est dans le péché, mon ami. Lui-même est dedans, dans des choses sales, compliquées. Tu vois? Parce que s'il dénonce le péché, ben, il va se dénoncer lui-même. Qui va se dénoncer ici, mes amis? Qui est dans le péché? Qui va se dénoncer alors qu'il est dans le péché? Tu vois?
quoique l'enfant du Seigneur, oui, il doit le faire parce qu'il est animé, il aime le Seigneur, il veut se repentir. Mais quelqu'un qui ne veut pas se repentir, ben, qui vit dans le péché, il ne va pas dire qu'il faut... il va prêcher un autre évangile. Ils vont changer la parole du Seigneur, changer la parole du Maître en un évangile. Ben, c'est comme les religions. Aujourd'hui, ben, faut accepter tout le monde. Hein. Faut accepter tout le monde, tous les religieux, tout le monde, on peut prier ensemble, tout ça. Tout le monde allait en prier ensemble. Allez hop, on y va. Quel zoo, mes amis. Eh bien, ce n'est pas ça que Yeshua a dit. Quand il est parti devant le temple, dans le temple, les hommes vendaient des pigeons. Il y avait du commerce, du business. Il a tout cassé, mes amis. Voilà ce qu'il faut faire. Eh bien, quand on voit que dans l'œuvre que tu veux faire pour le Seigneur, là où tu es, dans l'équipe que tu travailles pour avec le Seigneur, avec des frères et sœurs, qu'il y a du business qui commence à faire, mon ami, il faut parler. Il faut parler. Ah oui? Ils vont faire la même chose que le diable a fait au ciel. Ils vont commencer à aller voir tous les gens là. Oui, vous savez. Prendre leur numéro de téléphone. Pour bâtir quoi? Bâtir leur empire, mon ami. Et faire croire aux gens, oh, j'étais avec Yeshua. Je marche avec Yeshua. Ne vous inquiétez pas. Je suis avec Yeshua, ne vous inquiétez pas. En gros, il n'est pas avec Yeshua. Hein? C'est du commerce, mes amis. Tu vois? Donc, veillons par rapport à ça. Tu vois? Donc, il faut aussi, veiller sur nos cœurs, sur nos vies, parce que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Veiller aussi sur le travail que le Seigneur nous donne, aussi, pour ne pas que l'œuvre du Seigneur soit aussi salie. Donc, il faut prendre des décisions quand il y a des décisions à prendre, mes frères et sœurs. Voyez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager les gens. Quelqu'un qui se repent, il faut l'encourager. Il n'y a pas de problème, il faut le relever, il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment sincère et prier, voir qu'est-ce que le Seigneur dit. Tu vois, si tu continues à travailler avec ou si c'est non. Tu vois. Et donc voilà. Donc à un moment donné, quand quelqu'un fait des choses sur des choses. Tu vois, c'est compliqué, mon ami. Un chrétien recherche la pureté. Un chrétien recherche la sanctification, recherche la vérité, tu vois. Ah oui, mes amis, hein. Ah oui. Donc, tu vas vouloir travailler avec des gens, tu vois. Il faut prier, bien. Le Seigneur peut permettre, parce que le Seigneur aussi, il y avait Judas qui était avec lui. Judas bosse avec le Seigneur. Vrai ou faux? Donc, le Seigneur a dit que parmi vous, il y a un diable. Donc, c'est-à-dire que, ben, on peut bosser avec des gens, prier avec des frères et sœurs, mais en vérité... ils ne sont pas du Seigneur, tu vois. Ce sont des hommes qui sont là ou des femmes qui sont là comme des espions, qui sont là pour te tuer toi. Oh mon ami. Donc le but de Judas là, c'était de tuer le Seigneur. Donc Judas est parti donner des infos là-bas. Oh, pour le tuer, ben, il est comme ça. Et devant toi, il faut comme si tout va bien. Mais derrière là, ils font un travail de diable. Oh oui, je te dis la vérité. C'est pour cela que je vais donner un conseil aux frères et sœurs. Je nous donne un conseil. On doit veiller avec qui on prie. Veiller, comment dire, dans la prière, avec qui on prie. Avec qui on s'associe pour travailler. Il faut faire attention. C'est pour cela que nous, on ne bosse avec aucun groupe sur Paris, mon ami. Aucun groupe d'évangélisation sur Paris. On connaît plein de frères et sœurs. Oui, on en connaît plein. Vous voyez, mais sur Paris, on ne travaille avec aucun groupe d'évangélisation. Si ce n'est avec nos frères et sœurs des Antilles, avec qui on partage, qu'on prie, tout ça, et on peut faire la mission, on peut s'encourager. Mais sur Paris, là, on ne travaille avec aucun groupe d'évangélisation. Ah oui, mes amis. Ah oui. Ah oui. Trop d'hommes et de femmes ont des ambitions, tout simplement pour mener. Vous voyez, les meneurs. Numéro 10. Il y en a qui veulent être numéro 10, mes amis. C'est terrible. C'est comme si dans une équipe de football... comment dire, c'est compliqué. Il ne peut pas avoir deux numéros 10. Il y a un seul 10 qui joue. Tu vois. Imaginez-vous dans une équipe, tout le monde veut être numéro 10. Mais c'est compliqué. Et comme il ne peut pas jouer 10, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le blesser. Il va essayer de tacler le 10 là pour prendre sa place dimanche prochain. Pour le samedi prochain, pour le prochain match. Mes amis, c'est terrible. Hein? Ah oui, que celui qui a des oreilles comprenne. Entende, mes amis. C'est comme si à Ronaldo, un exemple. Ronaldo joue numéro 9. Il y a un autre attaquant là, il joue, mais il joue pas titulaire quoi. Donc pour jouer titulaire, il faut faire quoi? Il faut blesser Ronaldo, mon ami. Il faut tacler Ronaldo, que son genou se casse. Comme ça, ben, c'est lui là qui va,
qui va prendre sa place, mes amis. Voilà comment en fait c'est pareil. Tout ce qui s'est passé au ciel, ça se reproduit sur la terre. Donc le diable était prêt à tout pour prendre le trône de Yeshua. Oh mes amis, il voulait tuer. C'est le meurtre. On a vu Caïn et Abel. Oh là là. Oh là là, mes amis. On a vu Caïn et Abel. On va le prendre. On va le prendre dans Genèse. Genèse chapitre 4, verset 1er. La jalousie de Caïn envers son frère Abel. Adam connut Cava. Cava, c'est Ève. Hein? Sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas de regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché. C'est terrible ça. Oh là là. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui font une œuvre. On va parler de ça. Qui font une œuvre, qui travaillent pour le Seigneur, qui font une œuvre quelconque. Mais là-dedans, là, le Seigneur n'a pas mis sa main. Le Seigneur n'a pas mis son approbation. Il n'a pas mis son sceau, son mandat. Vous voyez? C'est terrible ça. Il y en a plein. Plein de chrétiens où ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, eh bien, ça ne prend pas en fait. Vous voyez, ça ne prend pas, ça fait des années. Ils ne vivent pas, ils ne vivent rien avec le Seigneur. Soit il y a le péché, soit le Seigneur ne sait pas ce qu'il attend d'eux, ou soit, je ne sais pas moi, le Seigneur n'est pas là-dedans. C'est pas ce que le Seigneur veut pour eux. Mais eux, ils veulent à tout prix faire ça en fait, en vérité. Vous voyez? Et comme ils voient qu'un autre frère ou une autre sœur fait une œuvre, fait un travail pour le Seigneur, travaille avec le Seigneur, eh bien, se passe quoi? Eh bien, la jalousie va commencer à rentrer. Oh, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Donc, ils vont faire toutes sortes de choses pour faire quoi? Soit te tuer pour prendre ce que tu fais toi. Mes amis, c'est terrible ça. Oh là là. Pour prendre le travail que tu fais, tu vois, afin d'être lui-même au devant. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est être au devant, c'est être être glorifié. C'est la motivation. Quand quelqu'un tue, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un truc qui l'intéresse, c'est jalousie qui l'intéresse chez l'autre. Vous voyez? C'est terrible ça. Oh là là. Quand on voit les gens là qui font des assurances vie là, pourquoi ils se font tuer des fois par leur couple, par leur mari? Ben c'est pour prendre quoi? Prendre la richesse. Vous voyez? Donc dans les coulisses, je reviens sur ça. Donc c'est-à-dire que dans les coulisses, tu vois, je vous dis, dans l'œuvre que tu fais là, c'est dans l'œuvre que tu fais, il peut y avoir même deux ou trois personnes qui sont là, ou quatre personnes qui sont là juste pour faire quoi? Pour parler contre toi et récupérer toute l'équipe avec qui tu travailles, mon ami. Pour les récupérer et partir avec, comme il a fait le Lucifer au ciel. C'est terrible. Donc le diable au ciel, il a voulu prendre tout le ciel. Il a voulu prendre tout le ciel et mettre dehors Yeshua, frère. Oh là là, Seigneur. Oh là là. Vous voyez? Mais faut pas t'inquiéter. Là où il y a le Seigneur, il y a son intervention divine qui est là, mes amis. C'est terrible ça. Vous voyez? Donc le diable au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? J'ouvre la parenthèse sur Ézéchiel 28. Il a fait son business au ciel. Tu vois? Il voulait récupérer toute l'armée du ciel du Seigneur. Toute l'armée. Tu vois? Toute l'armée là. Il voulait que cette armée-là lui soit soumise. Il voulait gérer cette armée-là, mon ami. Oh, c'est terrible. Oh là 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 là. Un coup d'État. C'est-à-dire que les gens peuvent vouloir mentir. Ils vont vouloir traficoter. Ils vont raconter des choses, des patatis, plein de choses. Pour faire quoi? Pour retirer l'équipe avec qui tu travailles, mon ami. C'est terrible, ça. Pour te mettre dehors et tout récupérer. C'est ce qui se passe. C'est ça, les coups d'État. Vrai ou faux? Les coups d'État chrétiens, ça existe, je vous dis. Ça existe, tu vois. Regardez les coups d'État. Regardez les coups d'État. C'est-à-dire qu'il y a un là-dedans qui va donner les infos dehors. Oh là là, Seigneur. C'est-à-dire que regarde. Oh là là. Là, 3 ou 4 personnes qui sont à l'extérieur
vont soudoyer. Qu'est-ce que soudoyer? Soudoyer, qu'est-ce que veut dire soudoyer? Acheter, donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse mentir, pour qu'il puisse dire n'importe quoi en fait, tu vois. Voyez? Donc il va soudoyer ceux qui sont à l'intérieur là, quelques-uns là-dedans là, pour donner les infos à l'extérieur, pour savoir où est-il, où il est pour taper, pour prendre sa position, mes amis. Et c'est ça le coup d'état. Tu vois? Tu vois? Et ensuite, il se passe quoi? Eh bien, ceux-là qui ont été payés pour dire les infos, eh bien, eux-mêmes là, ils risquent, d'être tués. Pensant qu'ils allaient avoir une position aussi avec celui qui a pris qui a fait le coup d'État. Et en général, c'est ce qui se passe. Oh, dis-moi les infos là-dedans, là. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi les infos là-dedans dans le palais du roi. Donne-moi les infos, s'il te plaît. Et dès qu'on va réussir, toi, tu auras ta telle position. Tu seras mon bras droit. Toi, mon bras gauche. Et on va régner. Ok, d'accord, pas de problème. Donc après, lui, il donne tous les infos derrière. Oui, demain, il sera là. Demain, il part à minuit. À 23h, il va se coucher. Ok, après l'autre, il va monter son coup pour aller le tuer, pour prendre sa position. Et ceux qui ont donné les infos là, eux-mêmes se sont abattus. On va les tuer. Tu vois? Ils n'ont aucune position. Bah oui. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient avec lui avant. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs. C'est comme si Yeshua, les anges qui ont voulu prendre la place, sa place au ciel, qui ont fait le coup d'état avec Lucifer, c'est comme si le Seigneur dit, bon, le diable, toi, je t'éjecte toi seul du ciel, et moi, je les garde tout seul là, toi, je te chasse, toi. Non, le Seigneur a mis dehors, et les anges, et le diable, allez hop, tous dehors là, mes amis, tous dehors, allez hop. Pourquoi? Ils étaient dans la corruption, mes amis. Ah oui, ils étaient corrompus. Ah oui. Comment voulez-vous comment ça c'est le ça c'est la chrétienté d'aujourd'hui là, hein? Tu vois, le mélange, le péché ensemble, tout ça, on prie ensemble, péché sous péché. Mon ami, c'est pas ça le Seigneur. Non. La parole est claire, hein? Ôtez le méchant du milieu de vous. Voyez? Et c'est ce qui s'est passé au ciel. Le Seigneur a ôté du ciel le méchant. Mes amis, tu veux vivre la gloire du Seigneur? On veut vivre la gloire du Seigneur, la présence de Yeshua, voir la main de Yeshua dans nos vies. On doit prendre position par rapport à la vérité, par rapport à la sanctification, mes frères et sœurs. Pas de mélange. On ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. On ne peut pas se mélanger avec le péché, ce n'est pas possible. On doit prendre position pour la sainteté, position pour Jésus. Oh oui. Il faut de l'ordre. Dans toute œuvre que nous faisons pour le Seigneur, il faut de l'ordre. Il faut la sainteté, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Donc si on dénonce le péché, c'est pas pour détruire. C'est parce qu'on aime, le Seigneur. Tu vois? Et ben on veut que nos frères et sœurs ne soient pas dupés, ne soient pas trompés, ne soient pas dupés. Voyez? Ah oui. Le commerce. Voyez? Dans l'œuvre. Le business. Les intérêts. Voyez, il y a beaucoup d'intérêts aussi. Beaucoup d'intérêts. Oh là là. Les intérêts. Quand il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles. Il y a des gens, ils vont t'approcher, mais dans leur cœur, ils ne t'aiment pas. Ils vont t'approcher. Alléluia, alléluia. Mais dans leur cœur, ils te maudissent. Il y en a plein, je te dis. Il y en a plein comme ça, ils te maudissent. La seule chose qu'ils ont dans le cœur, c'est les intérêts. Tu vois, tirer quelque chose de bon en toi. Tirer un profit en toi. Oh oui, tu as de l'argent, ils vont t'approcher. Tu vois, tu fais une œuvre pour le Seigneur ou le Seigneur est là, ils vont t'approcher. Pourquoi? Pour essayer de comme c'est terrible, pour prendre du crédit. Tu vois, afin que les frères et sœurs, eh ben, avec qui tu peux prier, marcher, tout ça, peuvent aussi dire, ah ben lui, ben, voilà, ben, on peut lui faire confiance, lui, ben, elle ou lui, eh ben, c'est bon, ben, voilà. C'est comme le diable aujourd'hui, hein. Il fait croire aux gens aujourd'hui qu'il est Dieu. Parce qu'il était au ciel, il fait croire aux gens qu'il est Dieu. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut aller écouter ses messages qu'il va prêcher? Non. C'est pour cela qu'il est important aux chrétiens, aux enfants du Seigneur, de ne pas ouvrir leurs oreilles à tous les enseignements. C'est pas tout ce qui est pasteur qui est la vérité.
C'est pas tout ce qui est, qui s'appelle prophète qui est dans la vérité, mon ami. Et d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle prophète, moi, déjà, il faut se poser des questions. Est-ce que Yeshua fait ça? Vous voyez? Est-ce que Yeshua s'est appelé « Je suis prophète » Non. Il n'a pas mis son de titre au devant. Vous voyez? Donc ça, c'est pour cela que c'est important de faire les choses correctement. La vie chrétienne, c'est mener une vie de sanctification. Tu vois? Quelqu'un qui vit dans le péché, peu importe son nom, peu importe sa position, si tu vois un prophète, un prédicateur qui vit dans le péché, la légèreté, mon ami, il faut te séparer. Bah oui, il faut te séparer, il faut arrêter. Il faut te séparer. Tu vois? C'est pour cela que la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est une vision où le Seigneur veut sauver des âmes, libérer des âmes. Donc voilà pourquoi on ne joue pas avec la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, on ne joue pas avec la parole de Yeshua. Oh oui. Oh oui. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour marcher dans la vérité. Tout faire pour mettre en pratique sa parole. Tout faire pour se séparer de tout homme ou femme qui veut te conduire dans le péché, mes amis. Oh oui. On veut me faire mélanger avec le péché. Oh oui, j'ai pas l'amour. Quel amour, mon ami. Quel amour on veut parler. Quel amour. Tu vois. On veut nous faire boire le péché, mes amis. Boire l'iniquité. Quand quelqu'un te dit, qui dit faut l'amour, il parle que d'amour. Quelqu'un, cette personne voit l'amour partout. Oh, il faut l'amour. Mon ami, il faut faire attention. C'est que lui-même là, ou elle-même là, sa vie c'est compliqué. Il faut veiller. On doit veiller avec qui on prie. Veiller, éprouver les esprits, c'est biblique aussi. Demande l'état d'âme au Seigneur. Seigneur, quel est son état d'âme, Seigneur? Qui est cette personne, Seigneur? Montre-moi. Ah oui. Et c'est des prières que très peu font, mes amis. Très peu font ces prières-là. Très peu font ces prières-là. Tu vois? Oh, Seigneur. Alléluia. Donc voilà un peu, mes frères et sœurs. Voilà. Suivez le Seigneur. Ne nous suivez pas, nous. Vous voyez? Adorez le Seigneur seul. Élevez Yeshua de Nazareth. Adorons-le. Et soyons encouragés, édifiés à aller vers l'avant, à le suivre. À le suivre, lui seul et lui seul. Alléluia. Merci pour vos prières en tout cas. Que le Seigneur soit glorifié. Donc voilà ce temps de partage. Et que le Seigneur permet, en espérant que le Seigneur nous a tous. Voilà. En tout cas, je crois que sa parole nous fait du bien. Ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment la sainteté, ceux qui aiment la vérité, ben, diront Amen. Ceux qui n'aiment pas la vérité, ben. Ils vont dire, ils vont mettre des pouces en arrière là, vous voyez? Des pouces là où ils disent que j'aime pas. Quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas la vérité, mon ami, c'est compliqué. Hein? Ah oui. Et toute personne qui prêche la parole, eh ben, elle doit aussi vivre la parole. Hein? Parce que beaucoup veulent prêcher la parole mais ne la vivent pas. Tu vois, on va prêcher quel message, mes amis? Quel message on va prêcher aux gens si nous-mêmes on ne vit pas la parole? Il y a un problème. On va communiquer la mort aux gens. Vous voyez, la mort, tu vois. Oh, c'est terrible. Donc, le Seigneur a chassé tout le monde du ciel. Tout le monde, allez hop, dehors. Allez, il n'a même pas envoyé, il ne s'est même pas levé lui-même. Hein. Il a envoyé Michael, allez, sors-les-moi du royaume, eux tous là. Il n'a pas dit que le diable, que Lucifer, il a dit tout le monde. Pourquoi? Ils ont tous été dans la corruption. Comment il peut lui faire confiance? Comment Yeshua peut laisser... Comment il peut laisser le royaume à des gens comme ça là, hein? Des corrompus comme ça. Comment il peut leur faire confiance? Il ne peut pas leur faire confiance. C'est pas possible. Parce que demain, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Hein? Demain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est une image. Hein? Le Seigneur, il est éternel. On ne peut rien lui faire. Vous voyez? Mais imagine-toi, mon frère, ma soeur. Comme tout à l'heure, j'ai dit, un voleur te vole. Une fois, deux fois, tu pardonnes. Quatre fois, tu pardonnes. Cinq fois, tu pardonnes. Six fois, tu pardonnes. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu lui diras, mais mon ami, là, je suis désolé, hein, tu n'auras plus mes clés de maison. Là, par contre, je ne te passe plus les clés de ma maison. Oh, c'est fini. Je ne te passe plus les clés de ma voiture, c'est fini. Parce que là, en fait, je suis en faute du Seigneur, quoi. J'ai le droit de ne pas marcher avec toi, j'ai le droit de ne pas prier avec toi. Mais je te pardonne pas parce que tu m'as fait, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je me sépare. Et c'est des choses, en fait, que
beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à prendre position pour la vérité. Ils se mélangent en fait. Ils se mélangent. Vous voyez, sous prétexte que, ben, voilà, il faut l'amour, quoi. Il faut l'amour parce que, mon ami, c'est pas ça là, que la parole nous dit. Hein. C'est pas ça l'amour véritable. Hein. L'amour, selon le Seigneur, c'est quoi? C'est de pardonner, oui. Mais le Seigneur nous dit aussi d'être prudent et d'être simple. Tu vois, d'être prudent aussi. Donc tu vois que quelqu'un te vole 10 fois, 15 fois, 20 fois. Un frère vient te voler, une soeur te vole, elle te vole, elle te vole. Comment tu peux encore marcher avec cette personne au bout de... Tu vois, il faut aussi prendre conscience que tu es chrétien, mais tu n'es pas obligé de marcher avec telle personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc il faut veiller à ne pas prôner un évangile qui n'est pas biblique. Tu vois? Un faux évangile plutôt. Un faux message. Tu vois? La croix, c'est la croix. Tu vois? Et la parole est claire. Hein? Ôtez le méchant du milieu de vous. On n'a pas dit gardez le méchant au milieu de vous sous prétexte qu'il faut l'amour. Quelqu'un ne se repent pas. Tu vois qu'elle pratique le péché. Mais il faut faire quoi? Il faut se séparer. Il faut se séparer. Après, même si la personne va raconter tout ce qu'elle veut dehors, tout ce qu'elle veut sur toi, tout ce qu'elle veut, laisse-les parler. Le Seigneur va justifier il va te justifier. Yeshua va te justifier, mes amis. Ah ben oui. Il va te justifier. Ah oui. Donc même si on te fait du chantage, oh du chantage, tout ça, tu sais, chantage, mon ami, quel chantage est ça? Qu'est-ce que tu as à te reprocher, frère, sœur, toi qui marches dans la vérité? Qu'est-ce que tu as à te reprocher, ma sœur? Tu vois? Tu vois? Donc, sépare-toi des mauvaises compagnies. C'est écrit dans la parole. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas avec tout le monde qu'il faut prier. Hein? C'est pas avec tout le monde. Quand le Seigneur te dit sépare-toi, sépare-toi, mon ami, sépare-toi. Tu vois? Donc, voilà un peu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Donc, voilà pour finir. Donc, voilà, c'était ce petit partage. Et en tout cas, veillons. Donc on a vu un peu ce qui s'est passé dans Ézéchiel 28. Hein. Donc au ciel, Lucifer a fait son business, son commerce. Et allez savoir ce qu'il a pu raconter à tous les anges pour les avoir détournés de Yeshua, mes amis. Eh ben, il les a manipulés, il les a raconté toutes sortes de mensonges, tout ça. Et ils se sont laissés séduire. Donc faisons attention à ne pas être séduits par des messages qui ne viennent pas du Seigneur, par des paroles qui ne viennent pas du Seigneur. Veillons pour ne pas être séduits et ne pas se détourner du Seigneur. Parce qu'en vérité, lorsque les anges ont suivi le diable, Lucifer, ben, ils ont perdu leur salut. Hein. Ils ont perdu leur salut, mes amis. C'est-à-dire qu'en fait, que là, quand tu n'es pas là où le Seigneur veut que tu sois, eh ben, tu peux perdre ton salut. Ça peut te coûter très cher. C'est pour ça en fait, qu'il ne faut pas être dans les sentiments. Il ne faut pas être un chrétien naïf. Vous voyez, tu vois, et c'est ça qui peut nous détruire, hein, parce que des fois on peut être naïf, et comme le Seigneur est fidèle aussi, il nous éclaire, et quand il nous éclaire sur des situations, il faut couper les ponts, mon ami. Il faut te séparer, quitte à, en fait, pas de sentiments. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de sentiments, une vie où on est mélangé, une vie où on est mélangé avec le péché, mélangé avec la compromission, mélangé, on a un club de potes, on a un club chrétien, non, on se mélange, non, mes amis. Frères et sœurs, c'est un temps où il ne faut pas être dans les sentiments, c'est un temps où il faut prendre position pour la parole, pour la vérité. Tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans les choses, et en fait, le pire, c'est qu'on veut te faire boire le péché, ça le pire. On veut te faire boire l'iniquité, boire tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur, tu vois. Et quand tu vas prendre position pour le Seigneur, quand tu vas commencer à dénoncer le mal, tu seras traité de tous les noms. On te dira, oh, t'as pas l'amour. On te dira, oh, patati, oh, faut pas faire ceci, oh, faut pas. Mon ami, il faut dénoncer le péché, mon ami. Ah oui, te laisse pas séduire, te laisse pas embrigader dans un système. Non. Les anges là, ils ont été séduits par Lucifer. Hein. Ils ont été séduits, ils ont perdu leur salut. Ah oui. Donc il faut suivre le Seigneur, il faut écouter le Seigneur, mon ami. Écouter sa parole. Si sa parole dit A, eh bien c'est A. Même si quelqu'un te dit, oh non, il faut faire B. Non. Ah non, mes amis. Ah non. Donc il faut veiller, frères et sœurs, veiller.
Ah oui, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, on ne collabore avec aucun groupe, même ceux qui ont pu travailler avec nous, qui sont plus ici avec nous, on ne travaille pas avec eux, c'est pas vrai. Non. Ah non, mes amis, on ne bosse pas avec. Ah oui. Ah, je vous dis la vérité. Donc, on est enfant du Seigneur. Quand quelqu'un pêche, eh ben, qu'il se repent sincèrement, eh ben, on l'encourage, il n'y a pas de souci à se relever, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est parce qu'on est enfant du Seigneur, tout ça, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc, mais quand il y en a qui font semblant, ils font des choses, tout ça, et qu'on remarque que ça peut, comment dire, on veut se jouer de nous, tout ça, et non, mes amis, mais non. Voilà pourquoi on dit on ne bosse avec aucun groupe. Voilà. L'ennemi au ciel, il a voulu être auprès du Seigneur. Il a voulu faire croire aux anges qu'il est avec le Seigneur, qu'il travaille avec le Seigneur. Mais en vérité, là, il avait un plan. Il voulait que prendre du crédit, afin que quand il va faire son business, là, que son business puisse attirer des foules, mes amis. Voyez ce que je veux dire? Que celui qui a des oreilles comprenne, entende, mes amis. Voyez? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pu travailler avec nous, qui vont dire, j'ai travaillé là-bas, on est parti là-bas, on a fait ceci, cela, on a fait ci, ça. Et aujourd'hui, qui ne sont plus avec nous à cause du péché, mon ami, c'est compliqué. Ah oui, on ne rigole pas avec le mal, mon ami. On peut nous détester, haïr, tout ce que tu veux. Mon ami, c'est la Bible que l'on met en pratique. C'est la parole du Seigneur qu'on met au devant. Oui, pas de collaboration bizarre, tout ça. Oh, non, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Voilà. Il y a un temps, le Seigneur nous... les choses, comment dire, ne sont pas forcément vues clairement. Mais à un moment donné... Donc voilà, je finis sur ça. On ne collabore avec aucun groupe. Voilà, je le redis haut et fort, aucun groupe d'évangélisation. Voilà, allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Et suivez le Seigneur. Suivons le Seigneur seul. Ne suivons pas un groupe un groupe ou quoi. Suivons le Seigneur lui seul. Ne nous suivez pas non plus. Dans le sens où ne nous mettez pas à la place du Seigneur. Mettez le Seigneur en premier, en toute chose, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Et priez pour nous, que le Seigneur soit glorifié. Allez, au revoir.